issu de l'étude des administrateurs. On a toujours suivi les repreneurs. Une bonne nouvelle, oui. Très bonne. Au moins, on sera battu et on espère que le gouvernement va nous aider puisqu'il y a encore quelques réunions au niveau de l'administration et on souhaite qu'il fasse le nécessaire d'ici la fin de la semaine. Je pense que là, vous verrez, mais le personnel a tous le sourire. Et pour nous, c'est très important et on espère qu'on aura un patron un jour et un patron qui donne de l'avenir à ce site industriel. C'est les deux qui ont des dossiers. Netoy, il est presque complet. Hein. Il ne manque pas grand-chose. Et le Libyen, il a argumenté avec financièrement et aussi au niveau de l'alimentation de la raffinerie. Et ce qui est important, c'est le maintien de tout le personnel. Les deux, ils sont viables. Les deux, maintenant, c'est à voir si les juges le décident autrement aussi. Hein. Il y a ça aussi derrière.